moments later. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et aujourd'hui il est mercredi 29 avril. Là il est midi 41 et je me suis levée à 11h30 je crois. Mais comme d'hab, vous me connaissez maintenant, je prends toujours 10 piges à sortir du lit. Donc je suis partie me laver et j'ai gagné encore un jour avec mes cheveux. En fait j'ai fait une cure de sébum et depuis je me suis dit que j'allais faire des mini cures de sébum. C'est-à-dire vraiment là les laver en l'occurrence une fois par semaine. Donc je les laverai demain et je prends bien le temps de les brosser pour répartir le sébum sur toute la chevelure. Parce que j'ai fait une cure et j'ai trop aimé. Mes cheveux étaient vraiment plus beaux, enfin vraiment... réparer après la cure de sébum et du coup maintenant j'essaie d'espacer les shampoings pour avoir un petit peu les bienfaits de tout ça. Et donc sous la douche j'évite de me mettre de l'eau du robinet sur le visage. Je me rince déjà le visage 5 fois par jour avec l'eau de robinet. Du coup pour les fois où je peux éviter, donc le matin, le soir et sous la douche, je prends une petite eau comme ça. Donc c'est une eau nettoyante et celui-ci c'est Centifolia et c'est pour les bébés et c'est bio. Et donc voilà, ça fait grave du bien à ma peau. Et puis même quand j'utilise de l'eau du robinet, j'aime bien après venir repasser un coup avec cette eau pour enlever un petit peu tous les résidus de calcaire. Parce que quand on voit l'état dans lequel ça met ma tuyauterie, je me dis que pour mon visage c'est très très tendu. Donc bref voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Aujourd'hui ça va être une fois de plus une journée tranquille à la maison. Ali est avec moi donc franchement ça va. Je commence vraiment à me poser la question de comment est-ce que je vais faire pour vous vlogger tous les jours. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, les journées se ressemblent énormément. Et j'ai peur qu'à un moment vous en ayez marre de voir la même chose. Donc je sais pas trop finalement comment ça va se passer. Moi qui étais dans l'optique de vous vlogger vraiment tout le mois, je sais pas si j'en serais capable. C'est énormément de travail aussi de faire du montage tous les jours. Donc là c'est tous les jours du montage, c'est du chargement. Je l'ai chargé la nuit entre en fait Echa et Fajr quand je me lève pour manger le matin. Et après il faut que je fasse la miniature donc au moment où je me lève pour manger et que je planifie etc. Enfin bref, ça me prend beaucoup de temps, voilà. Après c'est vrai que j'adore faire ça mais si un jour vraiment je suis fatiguée je prendrai une pause. Et puis comme ça je repartirai que de plus belle. Autrement j'espère que vous allez bien. Ici j'attendais plusieurs colis mais il y a grave des vols de colis, je sais pas c'est quoi le délire. Donc je sais pas comment ça va se passer, je vais devoir encore faire des réclamations et tout. Pour la flemme. C'est parti pour une nouvelle journée avec moi. I can feel it in the air tonight. Do you feel it running through your veins? It's like a kryptonite. Cause the sun is shining up above. Là je vous retrouve, je suis dans la cuisine. Trop dégoûtée parce que comme je disais on me vole constamment mes colis et là j'avoue qu'il y avait un colis, franchement je l'attendais vraiment et en plus d'ailleurs c'est une collaboration et en fait c'est relou parce que du coup je sais même pas moi quoi dire à la marche en fait, on me vole mes colis, bref. Et j'attendais vraiment parce que j'avais trop hâte et Ali est parti chercher les colis et remonte avec deux colis et les deux sont pas là. J'ai pas de chance. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vomir? C'est quoi ce cinéma? C'est quoi ce cinéma? Donc je vous disais là je vais commencer à faire quelques petits trucs en cuisine. Alors en fait il y a quelques jours j'avais fait une farce, enfin il y a deux jours j'avais fait une farce poulet crème champignon. Oui mon amour. Et du coup je l'avais mis au frigo parce qu'il n'y avait pas tout qui était fini. Et donc là avec ça je vais me faire des petits feuilletés. Je sais pas si on va en manger ce soir ou si je vais les congeler pour les mettre au four quand j'aurai envie de les manger en fait tout simplement. Et je vais commencer à préparer le dîner de ce soir. Donc pour ce soir on va se faire des tacos très très simple. Des tacos. On a du poulet déjà pané que ma mère nous avait envoyé en fait. Donc du poulet pané. Et je pense que je vais les frire et c'est ce que je mettrai dans mes tacos avec de la salade, du fromage, etc. Et ça va être très très simple. Donc de toute façon je vous garde avec moi. Thank you.
vous retrouve et en fait je vais venir préparer un petit gâteau semoule, mais un petit peu particulier par rapport à d'habitude. En fait je vous explique, Inaya son anniversaire c'est le 3 mai, mais vous vous doutez bien qu'on fera rien de spécial puisque bah, y a confinement et du coup voilà, c'est pas évident. Donc ce qui se passe c'est que son papa est encore à la maison aujourd'hui et demain, et après bah, il va bosser et donc on pourra rien faire en particulier on va dire. Donc là je me suis dit qu'on allait faire ça demain, donc demain je vais lui faire un repas qu'elle apprécie et là je vais faire un gâteau, comme ça c'est fait. Alors je vais venir mettre un petit peu de Nutella dans la pâte bah, de mon gâteau à la semoule. Pour ce gâteau c'est très très simple, il va me falloir 2 yaourts nature, ensuite le pot de yaourt nature va me servir de mesure, il va me falloir 1,5 pot de sucre, une moitié de pot d'huile, une levure chimique, un sucre vanillé, 3 pots de semoule, 3 œufs et du Nutella. Donc je vais le faire fondre et puis je le mettrai tout à la fin. Je vous laisse en image, vous verrez que c'est archi simple. En gros, c'est un petit peu mon gâteau que je fais genre tout le temps, mais revisité en mode anniversaire. On verra ce que ça donne. Ça y est, j'ai bien enfourné le gâteau. En fait, vous avez dû voir, mais je ne l'ai pas du tout mis donc, dans un moule à gâteau. Je l'ai mis dans une casserole. Donc si je l'ai mis dans une casserole, c'est parce que je ne voulais pas que le gâteau soit en largeur, mais plutôt en hauteur et plus petit. Et vu que j'avais pas de moule à gâteau bah, comme je le souhaitais, j'ai utilisé une petite casserole à la place. Après, on n'est que 4, donc en soi, je voulais vraiment quelque chose de plus petit, peut-être plus compact, mais plus petit quand même. Et donc j'espère que ce sera bon. En fait ça va faire comme un genre de marbré, parce que bah déjà ça ressemblait physiquement à ça. Et puis voilà quoi, c'est du Nutella avec bah, du gâteau nature, enfin vanille. Donc voilà, j'espère que ce sera bon. Là la question que je me pose c'est, est-ce que sur le dessus je recouvre de Nutella, ou est-ce que je me fais une petite crème pâtissière et après je pose des M&M's. Donc je sais pas encore. Je sais pas encore, je vais voir déjà à quoi ça ressemble à la sortie du four. J'espère que ce sera pas raté. J'espère que ça va le faire. J'ai mis grave du papier cuisson partout pour pas que ça se colle sur la casserole, parce que ce serait trop embêtant pour le démoulage. Et puis voilà, sinon pour ce soir en soi, nous avons les petits feuilletés qui ont été faits. J'avais l'intention de les garder pour d'autres jours, sauf que ça aurait pas été bon en fait si je les congelais et qu'après je les mettais comme ça, la pâte était déjà un peu collante et tout. J'ai préféré directement le mettre en cuisson. Donc on va en manger sûrement quelques-uns ce soir, les filles également. Donc je sais pas si tout partira ce soir, mais si jamais il en reste, ce sera demain matin. Et Ali a trop envie de manger en fait grec de base, mais il m'a dit je veux un truc genre fast food, soit grec, soit tacos, soit burger. Donc on va faire des tortillas. Il avait acheté ça la dernière fois parce qu'on avait envie. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, ma mère m'a envoyé du poulet qu'elle a déjà mis dans la chapelure et tout. Donc moi je l'ai congelé et je vais les faire frire tout à l'heure. Du coup ce sera des tortillas genre tenders avec des frites et de la salade. Donc ce soir on mange mal clairement. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais ce soir on avait envie de ça tous les deux. Donc ce sera ça. J'attends de voir ce qu'il en est pour le gâteau. De toute façon je vous montrerai. Et puis même quand je passerai à l'étape décoration etc, je vous reprendrai. I can feel it in the air tonight. Do you feel it running through your veins? It's like a kryptonite tonight. Cause the sun is shining up above. Bon, après m'être fait exploser deux fois au mémo par Inaya, je vais venir démouler mon gâteau. Ça fait un moment qu'il a terminé, mais je l'avais dit dans le fond. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée ça. Je sais pas trop comment on va démouler ça. Bon, ok.
je l'ai démoulé ultra facilement puisque j'avais mis, je vais vous montrer. Je vous disais, je l'ai démoulé ultra facilement puisque j'avais mis dans du papier alu. Par contre, la forme est un peu spéciale. Mais pourquoi pas. Non, franchement, c'est beau. C'est joli. Ça sent ultra bon le Nutella. Donc voilà ce que donne le gâteau. Franchement, il est beau. J'aime bien. Je le trouve même pas moche en plus comme ça. Oh, j'adore. Et il sent trop trop bon. L'odeur du Nutella, là, j'aime trop. Pour un gâteau fait aussi rapidement, franchement, et aussi simplement, ça passe. Donc pour l'instant, ce sera ça. Et quand on aura l'occasion de lui faire vraiment son anniversaire avec toute la famille, à ce moment-là, on le refera avec un joli vrai gâteau. J'aime trop l'odeur de la pluie et j'aime trop entendre la pluie en train de tomber. Ça me rappelle trop à l'époque où j'étais chez ma mère en fait et je sais pas, où je me posais tranquillement en mode cocooning devant un petit film pendant qu'il pleuvait comme ça. Oh, c'était trop bien, c'était trop bien. C'était trop bien. Bon, Ali est en train d'assembler les tacos, du coup je vais en profiter pour faire mon milkshake. Je vais faire exactement le même que hier parce que j'avais trouvé ça trop bon que j'y ai pensé vraiment toute la journée. Donc moi c'est la quantité vraiment d'une personne. Alors pour ça il va me falloir un Kinder Bueno. Donc là moi c'est Kinder Bueno White parce que j'aime vraiment trop le goût. Je sais pas si avec le Kinder Bueno normal ce sera pareil. Franchement je sais pas. Donc j'en mets un en entier. J'ai pris le poêle. Mais pourquoi à la poêle? Je crois que c'est bizarre. Ouais. Moi, le mien, tu le fais dedans, par contre. Ensuite, il me faut des tagadas comme ça. Ouais, un seul, ça va le faire. C'est pour ça? Oui, pour ça. Beaucoup de pour ça. Il y a des tapis dans ce jeu. Ça sent déjà trop bon. Il me faut de la glace à la vanille. Donc je mets l'équivalent de deux grosses cuillères comme ça. Donc je vous disais deux grosses cuillères de vanille. Du lait. Vous en mettez selon vos préférences, si vous aimez que ce soit très liquide ou pas tant que ça. Et pour terminer, des glaçons. Et voilà. Je suis nul. Je suis parfait. Je fais quoi? M'énerve pas. Hier, moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de rien du tout. Ouais. Moi, je suis allé sur après, je dis, t'as réussi à faire. T'as réussi, t'as fait comme outil, t'as fait. Après, elle fait peur. Je crois que t'avais peur de rien. Tu t'es appelé. Bon, là on se retrouve, il est 22h45 et je viens de terminer de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Du coup, je vais pas tarder à aller me coucher. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait archi plaisir. J'espère que pour vous tout se passe bien et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches et à très très vite.